Mais cette mouche-là. Alors. Hello, j'espère que vous allez bien. Donc, ouais. Ouais, ça date. Franchement, ça date de ouf. Je suis désolée. École, examen, plus taf, débordé. Franchement, la dame était débordée, donc je suis désolée. Mais comme je sais que vous aimez AliExpress et tout, donc vous allez forcément me pardonner. Donc, j'espère que ça va vous plaire. Et de toute façon, je vais pas trop parler. On se retrouve vite avec la suite de la vidéo. Alors, on va commencer par AliExpress. Donc, déjà, un petit top dos nu comme ça, vert. Il existait aussi en bleu, mais je préférais le vert. Je crois que c'est un dupe Zara. Dites-moi en commentaire si vous l'avez vu chez Zara. Donc avec une armature, n'importe quoi. Une encolure à l'américaine, je crois que j'ai. C'est pas le type de crop top que j'aime. Mais par rapport aux épaules et tout, parce que je trouve que j'ai des épaules larges. Mais franchement, il est bien. Ça fait bien pour l'été. En plus, avec les trucs tricotés et tout. Hyper tendance, désolé je suis remis, hyper tendance et tout, donc franchement top pour l'été et ça je pense que je vais le mettre dans ma valise. Alors ensuite j'avais pris un ensemble short chemise là, c'est façon pyjama, du coup j'avais pris en rose et jaune, il existe en rose, bleu, tout jaune et je sais plus, je crois que c'est tout et comme ça et je sais plus. Enfin, ouais. Du coup je crois que j'ai pris M. Je crois que tu peux pas choisir entre la taille de la chemise et du short. Genre les deux c'est M. Par contre la chemise, genre tu vois, elle est bien parce qu'elle est longue. Pardon. Ah, elle est bien parce qu'elle est longue. Mais par contre le short, je pense carrément j'aurais pu prendre du XL. Je trouve qu'il sert trop. Ou peut-être c'est moi qui ai reçu entre toi, mais je trouve qu'il sert trop. Soit il sert trop en fait, soit il taille trop petit. Donc voilà. J'ai un petit peu deg. Donc celui-là, je trouvais qu'il pouvait être bien pour les vacances et tout. Quand tu sais pas trop t'habiller, t'as pas envie de t'habiller trop lourdement et tout. Tu veux chillax et tout, nan. Donc je trouve ça c'est bien plus pour la plage ou pour pendant une journée de visite, etc. Alors ensuite, on a une robe. Oh là là. Vraiment trop, 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 trop belle. Alors, c'est vraiment une robe hyper simple, mais franchement, elle fait le taf. Une robe en satin, du coup, en vert d'eau, façon, un truc comme ça. Il y a plein, plein de couleurs, donc vous allez trouver votre bonheur et tout. Et j'ai grave hésité à en prendre deux, mais je voulais en prendre une déjà pour tester. J'ai pris en S, et franchement, elle taille bien. Prenez votre taille, elle taille bien. Pour moi, mon 1m60, elle est pas trop longue, parce qu'en plus, sur le tech, tu peux, tu sais, accorder la fente et tout. Enfin, accorder. Raccourcir la fente, etc. Donc, tu vois, elle n'est pas très 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 longue. Donc, ça, c'est top. Par contre, je vous conseille de porter des sous-vêtements sans couture pour pas que ça marque. On voit les tétons, moi ça me dérange pas. Vous faites comme vous voulez. Donc, voilà. Ce qui est bien aussi, c'est qu'au niveau des bretelles, c'est ajustable. Donc, ça, c'est top aussi si vous la portez sans soutif. Et voilà, franchement. En vrai, en même temps, je suis en train de travailler là. Donc voilà, en même temps, en vrai, je pense qu'elle peut être bien pour toute occasion. Tu sais, des petits mariages et tout, fiançailles, ça. Moi, j'avais porté aux fiançailles de ma cousine et ça faisait vraiment le taf. Donc j'étais grave contente. Par contre, il y a des. Je sais pas si c'est moi ou je devais pas la mettre à la machine. Mais il y a des taches. Je sais pas si vous allez voir, mais je m'étais tachée et la tache est restée. Donc je sais pas comment la laver. Si vous avez des astuces, bah dites-moi en commentaire, je suis preneuse. Donc voilà. Donc je sais pas si c'est moi de ma faute ou faut la laver autrement. Donc voilà, mais à faire attention. Alors ensuite une petite robe qui m'avait l'air très sympathique sur AliExpress, mais qu'au final je suis pas très sûre de mon choix. En fait le truc qui me dérange c'est que en fait elle est bien. Elle est bien, elle est de bonne qualité. C'est un en coton un petit peu épais et tout, très, ex très extensible. J'ai pris du S, il me semble. Je crois qu'il n'y a pas d'étiquette. Mais je crois que j'ai pris du S pour celle-là. Elle est longue, mais bon, tu vois, ça va. Petite fente sur le. Enfin, petite fente. Vraiment, ça, la fente a fait la moitié de la robe. Mais c'est pas ça le truc qui me dérange le plus. C'est plus, pardon, au niveau de la poitrine. Genre, de la poitrine. En fait, mais pourtant j'ai pas une grosse poitrine, mais au niveau des seins, déjà on voit mes seins. Enfin, j'ai pas acheté cette robe pour qu'on voit mes seins déjà quand même. Et genre, je trouve que c'est mal placé ou genre la. En fait, c'est mal taillé, tu vois.
pour la poitrine. Donc si vous avez une grosse poitrine, je pense que vous allez devez laisser tomber. À part si vous voulez qu'on voit vos tétés, mais bon, voilà quoi. Mais franchement, très 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 dommage. Très dommage. Pourtant, elle avait du potentiel. Franchement, elle avait du potentiel. Mais elle n'est pas faite pour moi. Je suis désolée, elle n'est pas faite pour moi. Donc vraiment, celle-là, si vous la voulez... Si vous la voulez, bah, vous la trouverez sur mon Vinted. Et voilà quoi. Franchement, un petit peu deg, mais tant pis. Alors, on continue sur du orange. Donc, ça, un vrai dupe de Bershka. Je crois qu'elle est plus dispo d'ailleurs. Elle existait en orange et blanche, il me semble. Et elle était à 35 euros. Et j'ai dit, bah non, j'achète pas une robe à Bershka à 35 euros en fait. Hors des questions. Et du coup, j'ai réussi à la trouver sur AliExpress. Donc voilà. Très jolie robe, très 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 sympathique. Donc celle-là aussi, je la mets dans ma valise directe. Donc top. Pour une petite soirée, tout chill et tout. Dans un petit resto, ça fait l'affaire. Je pense que je la mettrais genre avec des petites sandales ou des petites claquettes. Tu vois, pour être bien. Et genre avec ce type de coupe, je pense, ça pourrait le faire. Alors, nous avons une seconde robe en satin. Donc avec un effet dégradé, vrai dupe de chez Zara. Par contre, elle date un petit peu. Je l'avais vu sur ma pote pour son anniversaire. Fat, si tu passes par là. Donc voilà. Et franchement, elle est grave kiffée. Ça lui allait grave bien. Et du coup, je suis allée sur le site Zara, mais je crois qu'il y avait plus matin un truc comme ça. Bah, du coup, je l'ai pas prise. Et après, bah, quelques jours après, je l'ai vue sur AliExpress. Vraiment, la rapidité, vraiment de Ali, c'est incroyable. Donc voilà, je l'ai prise en S. Franchement de bonne qualité, après je l'ai encore jamais porté. Le seul truc qui m'a saoulé, c'est qu'une bretelle s'est cassée. Genre je l'ai ouverte et je voulais l'essayer, elle s'est cassée. Du coup là je l'ai recousu, mais vraiment à l'arrache. Faudrait que je la recoue mieux. Et donc voilà, franchement. Sinon voilà, elle a l'air bien et tout. Très sympa pour l'été aussi. Il y a une mouche ici. Très sympa pour l'été. Et je recommande. Et le dernier article, bah, c'est une combinaison. Moi, je suis pas très combinaison de pantalon parce que à chaque fois, c'est trop long ou soit c'est trop grand. Donc voilà, mais celle-là, elle est hyper bien. Genre, tu sais, elle est en mode utility, cargo et tout. Franchement, hyper sympa. Très, très, très légère. Donc ça, c'est good. Donc je pense que printemps, été, ça peut être bien. Mais quand il fera un peu plus froid, bon, ce sera pas trop top. Peut-être à la limite au début de l'automne aussi encore. Tu vois, tu portes avec un petit col roulé ou un sweat en dessous. Ça pourrait être pas mal. Je suis très contente que j'ai pris en S aussi. Elle me va parfaitement, ni pas trop longue au niveau des chevilles. Parce que, tu sais, c'est genre en pantalon, c'est pas en pantalon, comment dire, évasé. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Donc, très contente. Bon, du coup, bah, c'était tout ce que j'avais chez AliExpress. On va passer à PLT. Donc PLT aussi, ça fait... En fait, les deux commandes là, ça date. Hein. Pour vous dire vraiment, je crois que ça fait un mois que je dois sortir la vidéo. Enfin bref. Du coup, petite robette, vert citron, un petit peu découpe, col bardo. Enfin, je sais plus si elle est en col ou pas. Enfin, vous verrez dans la vidéo. Donc voilà. Elle est courte, mais ça va, on est à l'aise. On est entre nous, du coup ça va. Franchement, elle passe. Que j'aime beaucoup. J'aurais aimé qu'elle soit un peu plus épaisse, vraiment un poil. Mais franchement, ça va. Je pense qu'elle mérite. Elle mérite sa place dans ma valise. Alors, deuxième robe. Du coup, la couleur me fait penser un petit peu à mon haut. Petite robe manche longue, décolleté en V et tout. Pas un petit peu en évasé, bien centré à la taille. C'est vraiment mon type de robe typique. Elle est bien, mais au niveau de la matière, je pensais pas que ce serait aussi brillant, tu vois, comme ça. Alors, tu vois, je m'attendais à un truc un peu plus je sais pas comment dire, mais je m'attendais pas à cette matière. Bon, elle reste bien, hein, je l'ai portée et tout, mais voilà. Bon, elle mérite pas sa place dans ma valise, mais elle reste bien. Franchement, elle reste bien, hyper légère et tout. Du coup, c'est pas une matière où tu vas t'étouffer, transpirer et tout pendant la journée ou pendant le soir là. Après, il fera beau, donc voilà, hyper bien. Bon, après, ce sera pas une robe que je vais mettre au taf pour le décolleté, mais en vacances ou genre en petite sortie le soir au resto, franchement sympa avec des claquettes ou des sandales, ça fait le taf. Alors,
Dernière robe, je crois. Je pensais que j'avais acheté plus de robes. Enfin bref. Du coup, une petite robe rose, beige, n'importe quoi la meuf. Rose, orange, enfin je sais pas c'est quelle couleur, enfin bref. Ah, ça vraiment, c'est pas du tout le type de robe que je mets. J'aime pas trop les robes trop fleuries et tout. Enfin, je trouve qu'il y a trop d'informations dedans. Mais celle-là, j'aime bien. Vraiment, celle-là, j'aime bien. Elle se porte bien. Je sais plus si le décolleté et tout, il n'est pas trop voyant ou pas. Peut-être que tu fasses un point dessus. Donc voilà, avec des petites manches bouffantes et tout. Il y a une doublure, donc du coup, c'est pas transparent. Donc ça, c'est cool. Et vous avez une petite ceinture incluse, ça aussi c'est bien pour un petit peu donner un petit détail à la taille et un petit côté drapé. Je sais pas si vous allez bien voir. Donc voilà, au final elle est sympa. Franchement elle est sympa. Elle est sympa et elle mérite d'aller dans ma valise. Franchement, vous voyez, si elle mérite d'être dans ma valise, c'est vraiment c'est quelque chose. C'est quelque chose. Et je crois que je l'ai prise en 36. Il me semble... Ouais, prise en 36 et taille bien. Donc, top. Alors, ensuite, on passe au haut. J'ai juste pris deux t-shirts oversize. Donc, classique. Là, j'ai donc pris un noir avec l'écriture... un noir, n'importe quoi. Mais vraiment daltonien. Genre, j'ai un marron avec des écritures noires, là, près de chez Tide Thing. Donc, voilà, très oversize. J'ai pris en S. Un kaki comme ça avec des écritures, enfin des écritures n'importe quoi, avec genre un dragon et tout en vert kaki, donc je n'avais pas de cette couleur. Donc voilà, vraiment des basiques à prendre à chaque fois que vous commandez chez PLT. Ensuite j'ai pris un body vert. Donc franchement celui-là il est pas mal, je pensais qu'il serait plus épais, alors tu vois surtout là. Donc voilà, je pense que aussi celui-là, il mérite pas, mais il a peut-être sa place dans ma valise. Donc voilà, je vais voir comment je vais le porter. Franchement, j'aurais bien vu avec un pantalon taille haute blanc. Voilà, franchement, ça aurait pu faire bien et tout. Donc franchement, il est pas mal. J'ai pris en S, je crois. En S ou en 36. Ouais, j'ai pris en 36. Si vous avez des gros seins, je pense que c'est mieux de surtailler. Alors, dernière tenue, vraiment mon coup de cœur de toute cette vidéo là. Alors déjà vous avez un petit haut, vraiment col bardo, corset, manche bouffante. Déjà ce haut il fait multifonction hein, déjà pour commencer. Du coup en verso, comme ça, hyper beau, franchement hyper beau. Je l'ai pris en 36. Je crois qu'il existe aussi en noir il me semble, et en, que en cette couleur je crois, avec cette petite jupe. Vraiment moi je suis pas du tout jupe, mais là j'aime trop. Elle est en blanche comme ça, elle existe aussi en noir, en orange je crois, en orange aussi. Faut que je me la prenne très 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 rapidement. Et en fait l'ensemble un combo gagnant. Je suis désolée, franchement je suis désolée. Et en fait avec ça, je suis désolée, mais t'es là, t'as Mykonos, il fait 32 degrés, t'as les traces de bronzage et tout, t'as même pas besoin de maquillage en fait. Petit highlighter et tout, petit full cils, petite coupe et tout, vraiment les cheveux attachés pour qu'on voit tes épaules, vraiment les épaules dégagées et tout, des talons, des mules, vraiment des mules, mais t'es vraiment à Mykonos. Franchement, cette tenue, c'est Mykonos, genre, vraiment. Donc, si vous allez à Mykonos, vous achetez cette tenue, en fait. Donc, voilà, les gars, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi en commentaire quelle a été votre tenue préférée. Moi, je pense que vous savez déjà la tenue Mykonos. Vraiment, vraiment mon coup de cœur. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, liker et partager. Je vois qu'on est un peu de plus en plus, même si je n'étais pas là. Du coup, merci beaucoup. Et n'oubliez pas de me suivre sur Insta parce que je risque de partir en vacances. Du coup, il y aura un vlog après, je pense. Et comme ça, vous pourrez me suivre sur Insta. Je vous fais plein de bisous et passez de bonnes vacances. Bye!